Hey, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur I Wanna Go to the Parallel World. Hein, voilà. Et regardez, je maîtrise tellement bien le jeu que j'ai failli réussir du premier coup depuis mon intro. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. Et si, voilà. Donc, j'avais the theory de me dire que ce serait peut-être en hauteur. Donc, là, il faut que je gère bien mes sauts quand même. C'est pas en hauteur, quoi. Oh, punaise! J'en peux plus! Non! Ça va recommencer, non! Non, s'il vous plaît! Mais monsieur, mes doigts, mais... Je vais programmer un programme. Oui, parce qu'on peut pas programmer autre chose qu'un programme. Qui va passer cet écran pour moi. Avec auto hotkey, là, ou je sais pas quoi, là. Je vais enregistrer une macro. Hein? Parce que j'ai trop mais la flemme de passer cet écran merdique qui rend fou. Allez, j'ai rien touché. Nous venons de dépasser les 150 morts. C'est bon. Non bon bah du coup je ne sais pas où on va. C'est la panique! C'est peut-être juste... Voilà, plus haut, c'est tout. Voilà, c'est bon, mais oui! Oh là là, quoi! Oh mon dieu! Oh mon dieu, je suis happy. C'est très la jouétitude. Attendez, y'a pas moyen là de... Voilà, d'économiser un bloc déjà. Ah. Oh, j'ai même pas regardé la fin quoi, je me suis dit c'est bon, ça sert à rien. Je sais pas si c'est prévu qu'on fasse ce saut là. Mince, déjà j'arrive même plus. Voilà. Peut-être que je me protège ou... Ouah, c'est violent, quoi. Et le truc, il se lance après, d'accord. On se calme. Alors. Bon, vous voyez l'idée. À mon avis, les trucs, ils sont juste pour en bas, en fait. Genre, là. Et... Là. Et là. Et si je garde, je sais pas ça se passe comment. D'accord. Mais allez, j'ai sauté presque au bon moment. Oui, vous allez me dire presque, c'est pas le bon moment, mais... Et c'est relou parce que là, ouais, il faut... Il faut direct... Sauter comme un ouf. En tout cas, c'est original, là, l'utilisation de la souris, n'est-ce pas? Mais allez, j'ai sauté dans le bloc! Puis c'est tellement relou de reprendre la souris et puis de replacer les trucs, là, allez hop, je fais ça à l'arrache, hein. Dans 3 secondes, je vais être là, genre, oh, mais j'aurais pas dû faire ça à l'arrache, ça a marché! Mais c'est trop difficile! Les blocs, monsieur! La difficilitude. Je comprends pas c'est quand que je dois sauter en fait. J'essaie de peut-être prendre des points de repère et tout, mais non, ça ne veut pas. Oh, c'est bon, j'ai le timing. Déjà, j'ai le timing, c'est déjà bien. Attendez, j'ai the timing. Non, j'ai pas le timing en fait. J'ai raconté n'importe quoi. J'arrive pas. J'y arrive pas, c'est un truc de ouf. Oh, c'était presque bien. Vous avez vu. Oui, de toute façon, c'est enregistré, donc vous avez vu. Je vais penser très fort à mes abonnés. Et ça va marcher. Punaise, y'a un bloc qui se suicide.
Mais où sont les blocs qui tombent là? Je ne comprends pas. Du coup j'en mets un factice et j'en mets un autre juste derrière là. À mon avis c'est fait exprès pour que voilà on soit obligé de faire le saut. Je me disais bien c'est trop facile que... Mais non, mais d'où je me bouffe un truc, c'est nouveau. En fait, le lancer des TNT est complètement aléatoire je crois. C'est pour ça que des fois je meurs et que des fois je ne meurs pas. Mais non, mais j'ai trop pas de boules. C'est hallucinant quoi. Bon là c'est passé mais c'est moi qui suis mauvais. On y est presque. Progresse. On a touché le troisième bloc. C'est le plus gros progrès de l'univers quoi. Mais allez, la TNT de ouf. Ce serait quand même 20 fois plus simple si j'arrivais à passer la TNT sans sauter aléatoirement quand même. Je ne sais pas si c'est possible ou pas. Ben voilà! Mission accomplie! Ça m'aide pas plus! Ça ne m'aide pas plus. Ok. Yeah. Ok. Mais d'où il m'a touché là? D'où? Pourquoi? Ah non, j'ai dû toucher la lave avant. Je pense, mais bon. On va rester calme. Tellement relou de devoir replacer ça à chaque fois là. Mais c'est hyper serré comme saut, comme show. Oh pitié! J'étais à un saut! À un saut! Il aurait juste fallu que je saute. S'il y a encore un piège après là, c'est la folie quoi. Mais non, mais c'est super dur! J'ai même pas eu le temps de me réjouir de mon succès, quoi. Je me disais bien, en fait, parmi toutes les morts que j'ai eues auparavant, je trouvais que le truc, là, il était mais super bien aligné, vous voyez? Je me disais, waouh, le mec, il... Enfin voilà, il a designé son niveau pour mettre bien l'interface devant et tout, ça a trop la classe. Ouais, c'est ça. Oh la vache! En plus, faut que j'atterrisse, genre, au pixel perfect près, quoi. Et j'y arrive plus, voilà, et ça m'énerve. Et remplacer les blocs, c'est hyper chiant. C'est... Quand vous le faites une fois, ça va. Mais quand vous devez le faire pour la 40e fois, c'est méga fatigant. Ce saut est tellement serré. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point il est serré ce saut. J'en peux plus. Monsieur. Oh mon dieu. Mais c'est improbable. Mais c'est improbable. Mais non. Mais non. Mais non. Oh. Oh. Je vais pleurer un petit peu. J'ai failli rater la save. Oh mon dieu. C'est fabuleux. Oh. Oh. C'est le plus best jour de ma vie. Faut pas exagérer mais bon. D'accord, donc ça c'est un fake truc. D'accord, je ne comprends rien à ce qu'il faut faire. Si ça j'utilise... Ah et voilà, faut cliquer dessus, c'est... Quoi? Oh mon dieu! Ah mais je peux plus le déplacer je pense.
Ah là là. On va essayer de bien le mettre au milieu, genre, voilà, ici. C'est pas un peu trop simple, là? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a un boss, maintenant. Ok, c'était... Oh! Il faut que je fasse de la souris en même temps, là, et tout. Non, mais c'est un truc de ouf, là. Mais bien sûr! Et les mecs, ils croient quoi? Il faut que je joue à la main gauche, là, ou... C'est improbable. Surtout que, vous voyez, en fait, les touches pour manipuler le guy, bah, c'est les touches du clavier. Enfin, celles qui sont à droite. Pour sauter, bah, c'est mage droite. Enfin, gauche. Enfin, même si c'est mage droite, enfin, vous pouvez difficilement... Ou alors il faudrait que je vise à la souris. Enfin, il faudrait que j'utilise la souris de la main gauche. Attendez. Je vais changer mon installation. Voilà. J'inverse tel un gauchier. Un gaucher. Les deux touches. Mais je vais pas y arriver quand même. Comment je saute? Je ne sais pas. Non, c'est impossible. C'est impossible. Non, je refuse. Je refuse. On va essayer de faire ça à l'arrache. Comme toujours. Voilà, je me mets dans un endroit sécurisé. Environ. Attendez, on va attendre qu'il passe. Voilà, d'accord. Ok, ok, on s'en fout. Non! Oh! Bon, on a... Il y a un semblant de début au truc. En fait, il faut se mettre le plus loin possible. Afin de... Mais vas-y, j'ai cliqué! J'ai cliqué! Ah. Ah non, il lâche des trucs bleus maintenant! Ouais, à chaque fois, faut le toucher 4 fois et puis il va changer de pattern. Ça va être trop la joie. Punaise, j'ai pas lâché la bombe! N'importe quoi! Ouah, ce boss de la difficulty of the world. Je sais pas pourquoi of the world, mais de la difficulty. Mais j'ai cliqué. Et c'est en plus. Il balance toujours son truc rouge. Attendez, on va voir où il pop. La surprise du chef. Et maintenant, la surprise du chef. Mais j'ai pas le temps de prendre une bombe. Mais c'est quoi ce jeu de ouf? Mais attendez, mais j'ai que deux mains, quoi. Oh mon dieu. What the fuck. Bonjour, le boss 100% improbable. Je vous le présente, le voilà, le voici. Comment j'ai fait ça, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Écoutez, attention, il est dans la putesse. Il est plus rapide là-dedans. Oh non, je suis c'est la mort. Bon ben voilà, on sait où va s'arrêter ce let's play de I Wanna Go to the Parallel World. Hein, voilà, donc en fait, ce sont des épisodes découvertes afin que vous puissiez vous-même vous torturer sur les jeux. Parce que voilà, ce n'est pas mon travail, hein. Voilà, vous pouvez voir que ce I Wanna Go The Parallel World est de bonne facture, voilà, hein. C'est un très bon, il est bien fait, il y a des pièges, c'est un bon début, voilà, et donc vous pourrez voir la suite par vous-même. La prochaine fois, j'essaierai le premier niveau d'un autre I Wanna Be The Guy, parce que j'aurai jamais le niveau d'aller plus loin que le premier niveau dans ce genre de jeu, voilà, surtout quand il faut utiliser la souris en même temps, n'est-ce pas?
Évidemment, il vient d'un côté pourrave. C'est impossible. C'est impossible. Faut être deux, en fait. Et c'est ça, l'astuce. Faut être deux. Faut un joueur qui esquive, et faut que l'autre joueur tue le mec. C'est beau. Ou alors, faut placer les quatre bombes d'un coup. Non ? Mais à deux, je suis sûr, ce boss est facile. Attendez, si je place les 4 bombes d'un coup, ça se passe comment? On va attendre qu'il pop et je vais essayer de placer les 4 bombes d'un coup. Écoutez, je reste de ce côté-là de l'écran. Ok, c'est de la merde, bon c'est pas grave. Hop. Ah non, il est un petit peu invasif, je crois. Ouais, il est un petit peu invasif, ouais. Non, je suis pas d'accord avec l'utilisation de la souris, là. Voilà, ma souris est déjà sur la bombe. N'est-ce pas fabuleux? Et pourquoi des fois je fais un clic, elle se place tout de suite, et des fois non? C'est légèrement la surportabilité. Mais des fois faut appuyer et... Enfin des fois on fait un clic, et on drague, et faut faire un autre clic pour drop, et des fois faut juste drag and drop. C'est à croire que c'est fait exprès. Et là, je suis obligé d'appuyer à nouveau. Ouais. En fait, l'astuce... Ce serait de rester à l'étage du bas, parce que là, vous voyez, je peux jouer de la main gauche. Et je peux faire des trucs avec ma main droite. Voilà. Maintenant, on va prier pour qu'ils ne reviennent pas au premier étage. Ah, la sale bête. Donc là, je passe en mode droitier. Et j'esquive juste. Et on attend qu'ils repassent au troisième étage. Voilà, là, je peux ainsi poser ça là. Bien sûr, il l'esquive puisqu'il marche beaucoup plus vite. Mais on a un début de solution. J'ose même pas imaginer quand on va passer à l'étape 3, quoi. Il va tirer encore plus de pommes, de cerises. De voilà. Oui, mais là, c'est de la merde. Non, là, non, je ne suis pas d'accord. Oh, mais c'est pas grave, hein. Vas-y, tu peux cliquer, oui. Eh, mais je vous jure, ça clique pas. En plus, le mec, il a fait un truc vicieux, genre votre souris, elle clique une fois sur deux. La seule explication plausible que j'ai trouvée. Voilà, donc là il est invincible parce que fuck this shit. La troisième phase, je ne comprends rien du tout. Voilà, je ne sais pas où il tire de plus. Mais on a vu la troisième phase. Vas-y, mais clique pas mais... Putain, j'ai quand même une souris qui clique tout le temps et là ça clique pas, quoi. Non, c'est juste non. C'est le non. C'est non. Mais bien sûr, il y a une chance sur 6 qu'ils viennent ici, et c'était cette chance. Et que boum. Non mais j'allais clic. Mais le clic marche une fois sur deux, donc voilà. Je ne comprends pas. Ça c'est la worst feature, le clic qui marche une fois sur deux. C'est vraiment, je vous jure, ça marche vraiment une fois sur deux. Oh mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Je dois résister, mais comment j'ai fait? Je ne sais pas. Oh mon dieu! Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne... Ok. Évidemment, là, les bombes... Putain, mais nap. Mais la bombe était carrément plus là. C'était carrément plus là. Je suis désolé. Je suis désolé. C'était carrément plus là. Ah ouais, il faut le toucher que 3 fois, en fait. Allez, punaise de... Il y a une bombe bleue qui fait chier. Ouais, c'est des bombes, rien à foutre. J'appelle ça bombe, pomme, tout ce que je veux. Je suis pas en état de faire genre... Ouais, mais non, c'est des cerises, hein. De type acacia. Produit au Brésil en 1974, exporté par le paquebot 370B. Voilà, c'était juste un peu compliqué, mais... Pfff.
Mais allez, il est jamais au troisième étage, quoi! Mais pourquoi je me suis mis là? Mais non! Allez, quoi, ça, pauvre? On peut pas passer ce boss, monsieur! Mais non, mais pourquoi il faut utiliser la souris? Mais worse feature ever, quoi! Allez, et puis ça marche une fois sur deux! Ouais, et puis comme par hasard, il est dans le niveau que je suis, bah oui, parce que voilà, parce que monsieur, il n'y a qu'une chance sur trois, mais non, il n'est pas content. Je refuse de croire que c'est aléatoire. Il n'y a que moi qui vois un gros problème. Bah les nappes. Mec, il lance une pomme en 1984, et en 2015, elle me tombe dessus, quoi. Donc là, il n'a pas bouffé la bombe, je ne sais pas pourquoi, puisque de toute façon, je suis tellement occupé à regarder les 400 pommes dans l'écran que je peux pas voir ce qui se passe. C'est pas... Mais allez, mais j'ai pas posé de bombe là! Mais... Ouais, j'ai rage quitte, voilà, ça m'énerve. Non mais, ce clic, c'est insupportable, quoi. C'est vraiment... Je clique, j'ai pas lâché, des fois la bombe, elle se pose, des fois je clique, elle se pose pas... Genre le boss c'est pas déjà assez dur de base quoi, non, faut qu'en plus le mec ait fait un système de clics complètement foireux, mais foireux hein. Bon voilà, donc rendez-moi demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et bien plus.